كورتاوشنو ديفيزيون سيلولار راهم حابين يقراو ديفيزيون سيلولار حبوا نديرو لهم نديرو لهم ديفيزيون اذا حبيتو نديرو ديفيزيون سيلولار نديروه لا بروشين فوا راني نسقسيو على لا ديفيزيون سيلولار جو بونس يا صح ان رياليتي دو ريست لا ديفيزيون سيلولار. On n'a pas terminé le noyau interphasique, on n'a pas fait le tissu sanguin. Il a habitué de attendre une séance de rattrapage, à part le mercredi. La première séance, le lundi matin, elle est toujours libre ou là? Parce qu'une fois, dites lundi matin. L'essentiel, bad de fermo, attendre une séance, je suis le dimanche. Ici le mercredi, ici le jeudi. Donc lundi, si je fais une séance le lundi pour rattraper ce que vous n'avez pas terminé. En commençant notre cours de cytologie, donc les lysosomes. On va voir aujourd'hui le lysosome et le peroxysome. Rapidement, donc c'est quoi les lysosomes? C'est quoi lysosome? C'est des vésicules. Intracytoplasmique qui contiennent des enzymes. Vésicules contenant des enzymes. Toutes les enzymes nécessaires pour la dégradation des différentes substances. Donc, quand même, il y a une enzyme nécessaire à la dégradation sont présentes. Il y a un manque d'une enzyme, il y aura accumulation de ce substrat. Il y a une enzyme, par exemple, une protéase, il y aura une protéine qui va s'accumuler. Une lipase donnée, manquante, il y aura une lipide qui va s'accumuler dans le lysosome. Donc, c'est quoi un lysosome? Une vésicule contenant différents types, la très nombreuse enzyme, qui va assurer la dégradation de substrats d'origine soit exogène ou là endogène. Endogène, par exemple, c'est quoi? Par exemple, une mitochondrie non fonctionnelle peut être dégradée grâce au lysosome. Donc, tout ce qui est en excès ou là qui présente des anomalies fonctionnelles peut être dégradé en intracellulaire grâce au lysosome. Ou là, tout ce qui est d'origine exogène, phagocyté ou la endocyté, par endocytose, la phagocytose, va se fusionner avec les lysosomes pour être digéré ou là dégradé. Donc, les lysosomes sont des organites cellulaires micrométriques présents dans le cytosol de toutes les cellules animales à l'exception des hématies. C'est quoi les hématies? Le globule rouge. Donc les globules rouges m'interrompent les lysosomes. Ils ont pour fonction d'effectuer la digestion intracellulaire grâce à trois types d'enzymes: des lipases, des protéases et des oxydases. C'est quoi oxydase? Os, c'est glucides, protéines et lipides. Donc, il y a différents lysosomes de différentes tailles fonctionnelles. La structure, donc les lysosomes sont limités par une membrane d'une épaisseur d'environ 75 angstroms. Donc, on a les membranes biologiques se ressemblent grossièrement. Il y a une bicouche lipidique qui contient des protéines membranaires. On peut trouver quelques polysaccharides, les lysosomes, sur la face interne, la face externe de la membrane plasmique, la face interne des lysosomes. Qu'est-ce qu'elles peuvent, donc les fibres polysaccharidiques, qu'est-ce qu'elles peuvent jouer ou assurer comme fonction? Pour protéger, par exemple, la membrane du lysosome contre les enzymes présentes dans ce lysosome. Donc, peuvent former un film glycoprotéique ou la oxydique
polysaccharidique qui va protéger la membrane lysosomiale contre ces enzymes. Donc constitué de protéines, dont des enzymes et des transporteurs d'ions, afin de maintenir un pH acide indispensable au fonctionnement des hydrolases acides qu'il contient. Donc, les enzymes, pour qu'elles deviennent fonctionnelles, il y aura tout d'abord un changement du pH intralysosomial grâce aux protéines de transport membranaire. Yani, par passage des protons H+, il y aura modification du pH. Modification du pH, il y aura activation des enzymes lysosomiales. Les lipides, donc phospholipides, cholestérol, et des oligosaccharides qui correspondent à la présence de glycoprotéines, donc contre l'action lytique éventuelle des hydrolases qu'il contient. Donc elle est protégée contre son autodigestion par un revêtement glycoprotéique interne composé de protéines membranaires associées aux lysosomes, les LAMP. Le contenu des lysosomes, donc le contenant, c'est la vésicule membranaire. Le contenu, c'est les hydrolases, voilà, les enzymes intralysosomiales. Donc le contenu des lysosomes est biochimiquement et morphologiquement hétérogène, donc varié. Il est formé d'hydrolases acides, une quarantaine, donc protéase, nucléase, glycosidase, tout ce qui est possible et nécessaire. Donc produit de dégradation provenant aux lysosomes, soit par autophagie, soit par endocytose. Donc, derrière le lysosome, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, le lysosome, c'est bouffé, soit uniquement des enzymes, soit des enzymes et des produits de dégradation. Je m'arrête avec le lysosome. Alors, je vais vous dire que nous sommes lysosomes primaire et lysosome secondaire. Lysosome primaire, manette, qui est uniquement les enzymes. Manette avec le lysosome n'a pas encore fusionné avec un corps à digérer, qu'il soit endogène ou exogène. Ou l'œil secondaire, manette, ça y est, ça va être la fusion entre le lysosome primaire et la vésicule qui contient le substrat ou les substances à dégrader. Le lysosome, soit uniquement des enzymes, soit des enzymes plus les produits de dégradation. Provenant au lysosome, soit par autophagie, je m'appelle autophagie, concerne tout ce qui est d'origine endogène, des fragments membranaires, des peroxysomes, des mitochondries non fonctionnelles, etc. Donc tout ce qui est d'origine propre à la cellule, des organites cellulaires, des fragments membranaires. Donc, c'est l'autophagie. Il n'y a qu'une d'origine extracellulaire, tous les hétérophagies, les IA, la phagocytose ou là même l'endocytose. Puisqu'il y a des substrats qui subissent une endocytose, vont passer vers les lysosomes. Donc, autophagie concerne tout ce qui est d'origine endogène. Les fonctions des lysosomes. Donc, les lysosomes représentent le site majeur de la dégradation intracellulaire de molécules d'origine endogène et exogène. Donc, dégradation de molécules endogènes, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Donc, c'est des fragments de membrane, des mitochondries, des grains de sécrétion, etc. Donc, tout ce qui est endogène peut être autophagé. Dégradation de molécules exogènes, donc par endocytose, donc des hormones, des facteurs de croissance. Ce qu'il y a des hormones, ils sont sur les récepteurs membranaires, ça va en endocytose, ils vont rejoindre le lysosome. L'hypoprotéine, virus, les bactéries, les protozoaires, etc. La phagocytose est une des particularités des macrophages et des polynucléaires neutrophiles. Donc l'endocytose,
un aspect particulier qu'on appelle la phagocytose. Donc, c'est quoi la phagocytose? C'est un type particulier de quoi? D'endocytose. Oui, c'est beau, les cellules phagocytaires. Les homards, on macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Donc, elle, c'est une cellule macrophagique qui va phagocyter ou la endocyter un corps extracellulaire étranger. Donc, elle a titre. Elle va se fusionner avec le lysosome. Donc, le lysosome fusionne avec. Voilà. Le lysosome, c'est une vésicule. C'est une vésicule qui ne fusionne qu'avec une autre vésicule. Il y a un corps extracellulaire exogène, molécule exogène ou le corps étranger, c'est l'endocytose. Qu'est-ce que l'endocytose? Il va être donc enveloppé par une membrane. Donc il est dans une vésicule. Il y a par exemple une mitochondrie. La mitochondrie ne fusionne pas directement avec le lysosome, mais la mitochondrie ou le peroxysome ou laquelle qu'il soit cet organite, il doit être d'abord enveloppé par une membrane venant du réticulum endoplasmique qui va l'envelopper pour le fusionner avec le lysosome. Donc actuellement, la distinction porte sur la source du matériel digéré. Trois voies sont ainsi considérées. Donc on a appelé marbelouche canérolo, lysosome primaire, lysosome secondaire. Lysosome primaire, où je fais uniquement les enzymes. Secondaire, fait les enzymes et les produits de dégradation. Donc, la source du matériel à digérer. Donc, des produits d'endocytose contenus dans des endosomes fusionnent avec les vésicules ou avec le lysosome chargé d'hydrolase pour former des endolysosomes. Endolysosome, c'est le résultat de quoi? Endosome plus lysosome primaire. Les organites cellulaires détruits s'entourent d'une membrane provenant du réticulum endoplasmique, ceci forme un autophagosome. Ou je nomme l'autophagosome, nous avons connu l'isosome. Autophagosome, donc organite cellulaire qui va être détruit, donc il doit être d'abord enveloppé par une membrane du réticulum endoplasmique. Ou si vous voulez, autophagosome. Comme si, entre parenthèses, que le réticulum endoplasmique a phagocyté cet organite détruit. Il lui a enveloppé, il l'a phagocyté. Alors, il s'appelle autophagosome. Quelle sera une phagocytose exogène? Je ne sais pas, phagosome. Il a par exemple la cellule, le macrophage a phagocyté une bactérie. Il va l'envelopper par la membrane plasmique ou chez moi avec la vésicule, un phagosome. Il est exogène. Ça veut dire qu'une mitochondrie par exemple, elle va être enveloppée. Ou chez vous, je suis phagosome, mais autophagosome parce qu'il est propre à la cellule. Donc, un compte autophagosome, l'autophagosome va fusionner soit avec un lysosome primaire, un lysosome, ou la même avec un lysosome secondaire, comme un endolysosome. Yani, avec l'autophagosome, ou chez ses prédémons, il va fusionner. Il a sa prédémon, un lysosome primaire, il fusionne avec lui, il a sa prédémon, un endolysosome, ou là, un autophagolysosome déjà fait. Donc, il va fusionner avec lui.
Donc les autophagos, lysosomes assurent le mécanisme d'autophagie cellulaire. Dans les cellules phagocytaires, les phagosomes, ou là, les vésicules contenant des déchets ou là, une bactérie, sont transformés en phagolysosomes. Donc phagolysosome, c'est le résultat de quoi? Un phagosome plus lysosome ou la même endolysosome. Association avec un lysosome ou un endolysosome. Il y a un primaire ou un secondaire. Malataïr 2, il fusionne avec un lysosome primaire ou la même un lysosome secondaire. Les maladies. Les maladies lysosomiales. Donc, les maladies génétiques rares. Bon, les maladies lysosomiales. Donc, on a au début, les lysosomes forment de très nombreuses enzymes. Et toute enzyme peut être absente ou là défectueuse, yani non fonctionnelle. Chaque enzyme non fonctionnelle ou là absente, ça va résulter à une maladie lysosomiale. Donc maladies génétiques qui sont rares, on définit aujourd'hui plus de 50 maladies, à l'âge 50 maladies, parce qu'il y a beaucoup les enzymes. Donc, comme les enzymes peuvent être, peuvent être absentes et causer une maladie. C'est des maladies dues à une enzyme manquante ou la défectueuse, ce qui entraîne une accumulation du substrat dans la cellule. Donc, vous avez comme maladie lysosomiale, donc les lipidoses, c'est des lipases. Bon, les lipases sont nombreuses. Ce n'est pas toutes les lipases qui sont absentes, mais une lipase donnée est absente. Donc, vous aurez une lipidose. Maintenant, les lipidoses. Maintenant, vous avez les lipidoses, une enzyme, une lipidose. Glycogénose. Donc, il y aura accumulation de glycogène. Séroïde lipofuscinose, pycnodisostose, mucopolysaccharidose, oligomucoviscidose, mucopolysaccharidose, l'oligosaccharidose, mucolipidose, anomalie de transfert lysosomial, maladie neurodégénérative. Donc, bien sûr, qui pour l'accumulation d'un substrat, accumulation une substance donnée dans le lysosome, cela va retentir sur le fonctionnement de la cellule. Maintenant, quand il y a une maladie lysosomiale, alors je connais maladie, maintenant ça va entraîner une maladie apparente ou la même inapparente, selon la forme. Donc, une maladie, maladie qui a des symptômes, yani qui a une symptomatologie, des problèmes. Par exemple, vous pouvez avoir des problèmes neurodégénératifs, yani neurologiques. Donc vous avez des maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington, la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Machado-Joseph. Donc, toutes enzymes manquante ou anormale va causer une accumulation d'une substance donnée dans le lysosome. Mais le lysosome, où sera l'accumulation? Le lysosome, lichen invisible en microscopie optique, il peut devenir visible même en microscopie optique. Donc le lysosome, normalement, je trouve par microscopie électronique, et à cause de l'accumulation à long cours, il y en a, pendant une durée relativement longue, il va augmenter de taille, puisque le substrat va s'accumuler à l'intérieur. Il zide sa taille, donc il va devenir visible en microscopie optique. En bas de sa taille, avec le lysosome, la taille tau va influencer et gêner le fonctionnement des autres organites et donc du fonctionnement de la
cellule. Il y a quand la cellule nerveuse, par exemple, donc ça va causer un dysfonctionnement neurologique et même une mort cellulaire. La cellule peut être morte. Donc, qu'est-ce que vous allez retenir comme pathologie lysosomiale? Donc, vous avez les glycogénoses et les maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington et Alzheimer, adolescent. Donc, glycogénose et la maladie de Huntington et maladie d'Alzheimer. Donc là, par exemple, vous avez un muscle, c'est quoi en vert? En vert, c'est quoi? C'est des lysosomes de grande taille. Sa taille va influencer sur la contraction musculaire. Et c'est la conséquence de l'accumulation de glycogène. Donc c'est une... S'il vous plaît, surtout. Donc c'est une glycogénose. Une glycogénose, donc accumulation de glycogène due à un manque de l'activité alpha 1, 4, glucosidase chez une souris. Normalement. Donc, passons au peroxysome. Normalement, il enregistre. Il enregistrait, j'espère. Donc, c'est quoi les peroxysomes? Ça y est, on a passé au deuxième cours, s'il vous plaît. Donc, le peroxysome ressemble au lysosome, un peu, bien sûr. Donc, un peroxysome est un organite cellulaire entouré par une membrane simple et ne contenant pas de matériel génétique, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel génétique dans la cellule? Dans le noyau et nucléole, fait partie du noyau. Le nucléole fait partie du noyau. Ce n'est pas un organite à part. Je connais la deuxième, la mitochondrie. Donc la mitochondrie fait de l'ADN mitochondrial. Il est propre à la mitochondrie. Donc un peroxysome, donc une quelle matière génétique, noyau et mitochondrie. Donc, un peroxysome donc un peroxysome est un organite cellulaire où je fais une vésicule et un contenu non génétique. Il est présent dans toutes les cellules eucaryotes sauf réticulocytes et hématies. Assalamu alaikum. Asma, Ahmed, la batterie habset. Allez, rapidement, s'il vous plaît. Donc, où est-ce les lysosomes présents dans toutes les cellules sauf les hématies, les peroxysomes présents dans toutes les cellules sauf réticulocytes et hématies. C'est quoi réticulocytes? C'est le réticulocyte, lorsqu'il perd son noyau, devient hématie. Maintenant, les réticulocytes, c'est le stade juste avant le stade d'hématie. Maintenant, hématie, réticulocyte moins noyau est égal à hématie. Hématie plus noyau, c'est réticulocyte. Le peroxysome, maintenant, l'hématie, l'échemandouche. Peroxysome, c'est le réticulocyte, mais il n'y a pas de peroxysome. Mais il n'y a pas de peroxysome. Le peroxysome a été découvert dans les années 50 grâce à l'utilisation de microscopes électroniques. Les peroxysomes sont chargés de la détoxification de la cellule. Quel est le rôle primordial
Et principal du peroxysome, c'est la détoxification de la cellule. C'est quoi détoxification? Isalat soumir. Isalat soumoum, mais la cellule. Puisque les réactions chimiques qui se réalisent en intracellulaire toujours produisent, elles peuvent produire des radicaux libres ou là, des substances toxiques qui peuvent être dégradées ou là détoxifiées grâce au peroxysome. Donc ils sont en permanence renouvelés, donc il y aura des peroxysomes non fonctionnels qui peuvent être ou là qui vont être digérés par les lysosomes, donc grâce à l'autophagie. Leur durée de vie varie suivant les cellules. Donc, elle est de 3 jusqu'à 5 jours pour les hépatocytes. Donc, leur renouvellement se fait par autophagie, donc via le lysosome. Les peroxysomes sont mobiles et se déplacent dans le cytoplasme en utilisant des microtubules. Qui ont le mobile où elles se déplacent, bien sûr, c'est grâce aux microtubules ou là le cytosquelette. Donc les peroxysomes forment un réseau canaliculaire dynamique anastomotique. Ah oui, non, avec. Je peux pas trier ou la dite, bla bla. Tu lâches ou tu habes ou tu remets. Elle est chargée, inshallah. Donc les peroxysomes sont reliés. S'il vous plaît, les peroxysomes cytoplasmiques sont reliés par un réseau canaliculaire d'où chaque vésicule va être relié à une autre vésicule par des petits canaux. Ça va. Qui vont permettre la communication entre les différents peroxysomes. Donc ce réseau est indépendant du réticulum endoplasmique, Golgi et des mitochondries. Donc le réseau canaliculaire va assurer le contact donc anatomique et fonctionnel entre les peroxysomes. Donc là vous avez un peroxysome et un lysosome pour comparer leur morphologie. Donc vous voyez bien que son aspect électronique est hétérogène par rapport au lysosome. Donc là ce que vous voyez comme grain, c'est quoi? C'est des peroxysomes marqués par des anticorps anti-peroxysomaux. Donc, les anticorps sont marqués par une substance qui est fluorescente. Donc, dans un microscope à fluorescence, les anticorps marqués vont devenir fluorescents. Donc, ils bénoufent le microscope à fluorescence. Tout ce qui est en rouge, en vert, c'est des fibres, des filaments de kératine. En rouge, c'est quoi? C'est des peroxysomes. En bleu, c'est la chromatine. Là, je pense que c'est l'enveloppe nucléaire. L'essentiel, c'est le noyau, la structure. Donc, ce sont des organites sphériques avec une taille maximale chez les animaux, dont les cellules du foie, les hépatocytes et le rein, vous pouvez avoir plus de 1000 peroxysomes par cellule. Les phénomènes de détoxification se font au niveau du foie et du rein, parce que leurs cellules sont riches en peroxysomes en réalité. Donc, tous les phénomènes ont donc une explication en réalité cytologique. Donc là, vous avez une bicouche lipidique
et un corps cristallin au centre. L'échouffement, la microscopie électronique, on trouve comme un aspect hétérogène. La membrane, donc c'est une bicouche phospholipidique et des protéines de transport. La matrice, elle est homogène, ou le filament granulaire renfermant plusieurs familles d'enzymes, dont les plus importants sont les oxydases, détoxifient les molécules organiques. Les molécules organiques, nous avons l'ombre, lettre R, potentiellement toxiques pour la cellule, en leur enlevant des atomes d'hydrogène libres. C'est une réaction d'oxydation. On a les oxydases, c'est des enzymes d'oxydation. L'oxydation va enlever des atomes d'hydrogène libres. Donc avec la molécule organique R, elle est toxique. Une oxydation, ça va lui enlever des atomes d'hydrogène libres. Donc avec R qui était toxique, va devenir non toxique. Maintenant, l'oxydation de ces molécules toxiques, leur oxydation va la transformer en non toxique, va la détoxifier. Biochimie. خلاص دخلنا الحقوق الأسيد يعني. إيه هادو سي دي انزيم كو vous allez trouver dans le peroxysome. يعني كامل les phénomènes de détoxification c'est grâce au peroxysome. Hein, t'as toute enzyme qui a un rapport avec la détoxification, vous allez le trouver dans le peroxysome. Vous avez les enzymes de la bêta oxydation, puisqu'on a appelé la détoxification, c'est la fonction principale, la plus importante. Sinon, qu'il y a plusieurs autres fonctions pour le peroxysome. Donc, vous avez la bêta-oxydation des acides gras à chaîne très longue. Les enzymes responsables de la synthèse d'acides biliaire, les enzymes responsables de la synthèse du cholestérol. Donc, les oxydases et ces enzymes d'oxydation, donc indirectement, on parle des fonctions. Parmi les fonctions des peroxysomes, vous avez l'oxydation, donc la détoxification, la bêta-oxydation des chaînes, des acides gras à chaîne très longue, la synthèse des acides biliaires et la synthèse du cholestérol. Donc, alors, c'est des fonctions que peut assurer le peroxysome. Donc, je finis les oxydases. Deuxièmement, les catalases qui sont les plus abondantes. Donc, des enzymes catalysant la décomposition de l'eau oxygénée. C'est quoi l'eau oxygénée? C'est le H2O2. Peroxyde d'hydrogène. Peroxyde d'hydrogène. Donc, deux peroxyde d'hydrogène va vous donner de l'oxygène et deux molécules d'eau. Malatahade va dégrader le peroxyde d'hydrogène. Maninidji, le peroxyde d'hydrogène, c'est le résultat de la détoxification. Maintenant, avec la molécule organique l'isminaha R qui était toxique, ça va être une oxydation. On a des atomes ou des protons d'hydrogène. Où est-ce? Ils nous ont donné de l'H2O2. Maintenant, la molécule d'eau devient H2O2. Donc, H2O2 est le résultat de l'oxydation, la détoxification. Avec le H2O2, on a détoxifié une substance organique et on a produit une substance toxique qui est le H2O2. Le H2O2 est toxique lui-même. On a détoxifié et on a toxifié.
Donc, dans le foie, elle transforme en acétylaldéhyde 25 jusqu'à 50% de l'alcool. Donc, les catalases transforment l'alcool en acétylaldéhyde, donc grâce aux catalases. Le nucléoïde d'asperme. Le nucléoïde, c'est ce qu'on a vu dans le schéma, le centre, tu as le peroxysome. D'aspect dense, il occupe le centre des peroxysomes, il est cristallin protéique. C'est une forme de stockage de l'urate oxydase. Les fonctions du peroxysome, c'est ce qui est le plus important dans le cours. Donc les peroxysomes sont des sites essentiels pour l'utilisation du dioxygène. Donc, quand il stable l'oxygène dans la cellule, l'oxygène inspiré est utilisé par les mitochondries et les peroxysomes. Mitochondries et peroxysomes, c'est ces deux organites qui vont utiliser l'oxygène. Maintenant, les mitochondries ne vont pas consommer tout l'oxygène inspiré. Donc, ils utilisent de l'O2 et du H2O2 lors des réactions d'oxydation. Donc, ils présentent de multiples fonctions, anaboliques et cataboliques. Qu'est-ce que ça veut dire anabolique? Donc, synthèse et production. Catabolique, c'est dégradation. Fonction anabolique de synthèse. Donc, biosynthèse de phospholipides complexes nécessaires au gain de myéline du système nerveux central et périphérique. Plasmalogène. Donc, biosynthèse de phospholipides complexes pour la gaine de myéline. Donc, s'il y a un problème de la biosynthèse, donc il y aura une pathologie neurologique. Biosynthèse du cholestérol. C'est une biosynthèse accessoire. Je m'attends à accessoire, mais il y a quand d'autres organites qui vont assurer cette cholestérol. Cette biosynthèse est liée à une enzyme, HMG-CoA, réductase, donc synthèse du cholestérol. Biosynthèse des acides biliaires. Sécrétion d'origine hépatique, elle est le reflet de l'activité peroxysomale des hépatocytes. Donc les peroxysomes des hépatocytes synthétisent les acides biliaires. Maintenant, c'est dans les hépatocytes. Chez les peroxysomes, tu as les autres cellules qui vont sécréter les acides biliaires. Fantôme. Les peroxysomes sont présents dans toutes les cellules animales, à part les hématies. Manatat, protocéborum, par exemple, dans les cellules nerveuses. Les cellules nerveuses forment des peroxysomes. Leurs peroxysomes ne vont pas synthétiser les acides biliaires. C'est clair. Vous confirmez la règle. Quels peroxysomes? Lesquels des peroxysomes qui vont produire des acides biliaires? C'est les peroxysomes présents dans les cellules hépatiques, chez les autres cellules. Mais tu as peroxysomes liés à l'hépatocyte, mais tu as peroxysomes dans les cellules nerveuses. La gluconéogénèse. C'est quoi gluconéogénèse? C'est la synthèse du glucose à partir de certains acides aminés glucoformateurs. Donc c'est la synthèse de glucose à partir de certains acides aminés qu'on appelle les acides aminés glucoformateurs, alanine, arginine, asparagine, etc. Donc les acides aminés peuvent être transformés en glucose grâce au peroxysome. Bon, vous allez apprendre les tirets, tout ce qui est en rouge uniquement. Puisque ce n'est pas un cours de biochimie. Donc, biosynthèse du cholestérol, acide biliaire, gluco, néo. Néo, qu'est-ce que néo? C'est quoi néo? Nouveau. Néo, c'est nouveau presque. Donc, gluco, néogénèse. Manata, c'est la cellule, le peroxysome qui va produire du glucose. À partir de quoi? D'acides aminés. Les fonctions cataboliques et de détoxification. S'il vous plaît.
la respiration peroxysomale. Donc, respiration, ça veut dire oxydation. Donc, l'utilisation de le dioxyde, l'O2. Donc, elle aboutit à la production de l'H2O2. S'il vous plaît. Vous voulez que je vous remercie ou vous كم فما تحفظوهم شبيتو تهدرو دونك باش تسكتو نقول لكم احفظوهم دونك لا ريسبيراسيون ولا لوكسيداسيون فا ابوتير ا لا برودكسيون دو لاش 2 او 2 سيت رياكسيون كوريسبوند ا 20% دو لا كونسوماسيون دوكسيجين او نيفو هيباتيك لانرجي اي سامبلومون ليبيري سو فورم دو شالور يعني هذه لا رياكسيون دوكسيداسيون. L'oxydation des mitochondries va aboutir à la production d'ATP. L'oxydation qui va se dérouler dans les peroxysomes va aboutir à la libération d'énergie sous forme de chaleur et non pas d'ATP. Ensuite, il faut éliminer l'H2O2 car c'est un catabolite qui est toxique. Les oxydases enlève des atomes d'hydrogène libres à des substrats organiques spécifiques R qui sont toxiques. Yani R, par exemple, il est toxique. L'oxydation, les oxydases vont lui enlever des protons H libres. Donc, il va devenir quoi? Non toxique. Quel est le résultat? Quel métabolite? Résultant, c'est l'H2O2 plus R non toxique. L'H2O2, il est toxique. Ça t'annule même R qui est toxique. Ces substrats liés à des atomes d'hydrogène sont potentiellement toxiques pour la cellule, donc l'oxydation va les détoxifier. Donc RH2 plus O2 va vous donner R qui est non toxique plus H2O2 toxique. Donc RH2, il y a fait comme R, O2, et il est H2O2. Et c'est le peroxysome qui va lui-même éliminer l'H2O2 grâce à l'activité catalasique. Donc H2O2, on va lui enlever, on va l'oxyder. Tous les atomes de molécules d'eau et cette même réaction de détoxification du peroxyde d'hydrogène peut assurer aussi une deuxième détoxification. R'H2, il voulait R'. Maintenant, R oxydé, y a-t-il comme R non toxique, yani RH2 plus oxygène, y a-t-il comme R non toxique plus H2O2, H2O2, باش نرجعوه non hydrogéné, yani des molécules d'eau, yani de l'eau non oxygénée, donc non toxique, cette réaction, yani la détoxification du peroxyde d'hydrogène, peut détoxifier une deuxième molécule qui est toxique. Donc à la décharge de la réaction, donc H2O2 se transforme en H2O tout en détoxifiant une deuxième molécule, R'H2, qui devient R'. Donc la catalase utilise le peroxyde d'hydrogène H2O2 engendré par d'autres enzymes pour oxyder une variété d'autres substrats toxiques R' comme les phénols, l'acide méthanoïque, l'alcool, etc. Ce type de réaction est très important dans le foie et les cellules rénales où les peroxysomes détoxifient certaines toxines passant dans le sang. Donc, la catalase catalyse aussi la réaction H2O2 plus H2O2, comme O2 plus 2. Je m'en ai dit, une substance toxique RH2. Oxydation, R non toxique plus H2O2. Avec H2O2 qui est toxique, winraho on entra dans le peroxysome. Donc la cellule en réalité elle est un peu protégée parce que l'H2O2 il est intra
peroxysomale. Donc, waqtash il est dangereux pour la cellule lorsqu'il est en excès. S'il existe un excès d'H2O2. Maintenant, il y a l'H2O2 en excès, il doit être transformé en molécule d'eau. Maintenant, il doit être catalysé et détoxifié. Sinon, il y a toujours une réserve d'H2O2 dans le peroxysome. Maintenant, il y a un peroxysome. Demain, vous allez trouver de l'H2O2. Il y a une certaine quantité d'H2O2. L'H2O2 peut être détoxifié tout en détoxifiant une deuxième substance ou là directement éliminé selon cette réaction. Il y a sans détoxifier une deuxième molécule. La bêta-oxydation des acides gras. Donc la bêta-oxydation est variable suivant le type ou la longueur des acides gras. Quand la chaîne est courte, elle s'effectue dans la mitochondrie. Quand la chaîne est très longue, t'as l'acide gras, elle sera peroxysomale. Qu'est-ce que la biochimie, la bêta-oxydation, non? Le cycle de Krebs. L'acétyl-CoA. La bêta-oxydation se fait lorsque il n'y a pas assez de glucose pour nous donner de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est lui qui va entrer dans le cycle de Krebs, la mitochondrie, pour vous donner à la fin de l'ATP. Donc l'acide gras, les acides gras peuvent fournir de l'acétyl-CoA nécessaire pour entamer un cycle de Krebs. Donc les acides gras de chaîne longue ou la courte peuvent être source parallèle ou accessoire pour l'acétyl-CoA en cas d'un manque de glucose. Donc oui, ça va, la bêta-oxydation, les acides gras pour fournir de l'acétyl-CoA. Il y a une mitochondrie. La mitochondrie va sur la bêta-oxydation des acides gras à chaîne courte. Les peroxysomes vont assurer la bêta-oxydation des acides gras à chaîne très longue. La mitochondrie, elle est longue, assure la bêta-oxydation des chaînes courtes. Les peroxysomes assurent la bêta-oxydation des acides gras à très longue chaîne. Donc c'est l'inverse, paradoxal. Donc en cas de déficit fonctionnel des peroxysomes, on aura l'accumulation des acides gras à très longue chaîne. C'est logique. Donc, peroxysome non fonctionnel, accumulation d'acides gras à très longue chaîne. Origine et prolifération des peroxysomes, meningio les peroxysomes, donc ces organismes naissent par phénomène de scission binaire des peroxysomes parentaux. Parentaux, chez maternel, donc parents. Donc, maternelle et paternelle. Et peuvent prendre naissance sous forme d'organites hybrides, donc de deux sources distinctes. Le réticulum endoplasmique et les mitochondries. Donc, mlinigio, les peroxysomes, soit à partir des peroxysomes préexistants ou là à partir de la membrane de la mitochondrie et le réticulum endoplasmique. Donc, on a trois origines. Soit peroxysome préexistant qui va se scinder en deux peroxysomes, soit de la fusion d'une partie du membrane mitochondriale et membrane du réticulum endoplasmique. Toutes les protéines nécessaires au peroxysome sont synthétisées dans le cytosol, je m'en attends, par les ribosomes libres. Parce que les ribosomes, oui, c'est bon. Soit libres dans le cytoplasme, soit sur la membrane, sur la face externe de la membrane du réticulum endoplasmique granuleux, ou là sur la face externe du noyau. Donc, ce qu'on dit, on a les protéines des peroxysomes, c'est les ribosomes qui sont libres, mais chez les reliés
au réticulum, mais se libre dans le cytoplasme. Les maladies peroxysomales, qu'un des maladies, donc qu'un des enzymes manquantes, est maladie peroxysomale. Le syndrome de Zellweger va aboutir à une accumulation de lipides dans le foie, le système nerveux, le rein et au niveau de la glande surrénale. Ce syndrome est lié à un déficit de la production de peroxysome en raison d'une mutation sur la peroxyne 1. L'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X qui va toucher les hommes et qui se caractérise par l'accumulation de la GTLC au niveau de la glande surrénale. Donc vous avez une gaine de myéline. Donc allez, c'est une gaine de myéline qui va couvrir, vous la envelopper l'axone de la cellule nerveuse. Donc elle et la gaine peut se dégrader soit par une cause auto-immune, il y en a des anticorps qui vont attaquer la gaine de myéline et la dégrader, c'est ce qu'on appelle la sclérose, qui va causer ce qu'on appelle la sclérose en plaques, la SMA2BH, ou la gaine des troubles anaboliques, il y en a la synthèse des phospholipides spécifique de la gaine de myéline, donc il y aura aussi une dégradation ou l'atrophie de la gaine de myéline de cause métabolique et non pas auto-immune. Donc vous allez retenir syndrome de Zellweger et adrénoleucodystrophie. Si je me rappelle, il y avait un tableau référant les pathologies. Donc, on a l'adrénoleucodystrophie. Leucodystrophie, leuco c'est blanche. Il y a une substance blanche. Maintenant, dystrophie, dans la substance blanche, allège la substance blanche, parce que c'est la substance blanche qui a les fibres nerveuses, donc les axones, donc les gaines de myéline. Allège, ça fait un problème, c'est par accumulation des AGTLC, c'est quoi? C'est les acides gras à de très longues chaînes au niveau de la glande surrénale et dans la substance blanche du système nerveux. Cette accumulation est liée à une mutation sur une enzyme de la bêta-oxydation. Donc normalement, ma source tableau avec, malheureusement. Donc, maladie de Zellweger est l'adrénoleucodystrophie sans détail. Cache tableau. Ça y est, donc la prochaine fois, Inch'Allah, on verra la gamétogenèse et en cytologie, on verra le ribosome, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, si on peut bien sûr, et l'abdomen, si on pourra. Ça y est, normalement. Smith.